Ouais, les potos, ça va ou quoi? On est là, on se retrouve, j'ai repris le petit rythme des visites sur Minecraft. Ouais, ça faisait tellement longtemps, ça vous a manqué. Donc là, je suis en compagnie de Kuruxo, la famille. Ouais, ma petite gueule, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, la forme, mon frérot. Je te remercie encore pour toutes les petites visites et tout que tu me permets de faire, c'est vraiment cool, mon poteau. Donc... Oui, c'est normal. Ouah, tu gères la famille. Donc la famille, si vous connaissez pas Kuruxo, bah je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description ainsi que le lien de son Instagram. On en parle dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc on a repris le rythme des visites de serveurs, les frères. Si vous avez des serveurs sur PS4, bien entendu, je suis sur PS4 à me faire visiter, bah vous me mettez un petit commentaire ou vous venez sur mon Instagram et je ferai une petite visite pour ma chaîne, il n'y a pas de problème en vidéo. Les serveurs, là on va faire une nouvelle série avec Kuruxo, je vais annoncer ça après, c'est le pixel art et les objets insolites, les frérots. Donc sur ce, on est chez Kuruxo, les frérots, parc aquatique, c'est si je me trompe pas, c'est ça mon frère? C'est ça. Voilà, si les protos. Donc chez Kuruxo, parc aquatique, on laisse nous faire une petite visite. Donc c'est l'entrée, tout banal les frères. Hop là, on commence à rentrer. Hop, on va aller faire une petite visite. Donc je vous mettrai le lien des trois vidéos à Kuruxo parce qu'il a fait trois vidéos. Moi j'essaie de faire des vidéos de 9, 10, 11 minutes. Et je vous mettrai les liens de ses vidéos. Lui il a fait des vidéos de 15, 20 minutes où qui fait une visite complète ou qui détaille tout la famille. Je te suis. On va où? Donc là c'est les toboggans. Voilà, là on vient de rentrer dans le parc. Juste à l'entrée nous avons donc les vestiaires bien séparés. Ah ouais. Ça bien fait ouais. Un peu un gars une fille, tu sais, au niveau des couleurs. Ouais c'est ça ouais. Mais de toute façon c'est. Tu connais la série? On connaît que ça, hein, le bleu pour le garçon et le rose pour les filles. Hein. Donc les vestiaires avant d'aller au toboggan, c'est ça? Voilà les petits vestiaires du seigneur juste là. Les vestiaires du seigneur. Le petit canard là donc c'est un restaurant. Ah ouais. Bien ouais, cher baby ça le petit canard, on dirait V2 Stream, non les frères? Mettez-moi V2 Stream si vous trouvez qu'on dirait lui. Donc si je me trompe pas sur la chaîne de Kuruxo les frérots, vous voyez toutes sortes de manèges, il a fait plein de vidéos de la vraie vie. Donc toi t'es un grand fan de manège par contre. Voilà, manège par attraction depuis tout petit, j'adore ça. D'accord, donc ça c'est un restaurant, on va pas s'attarder, je vais te laisser faire voir tous les détails dans ta vidéo de toute façon. Un petit restaurant tout, ouais. Tout banal les frères, vous avez vu, mais dans un canard quand même, donc c'est un petit peu original. Parce que faut le... Merde, j'arrive pas à ouvrir la porte. Oh, j'ai cassé la porte. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Ah bah tu veux la repayer, je te préviens. Désolé, parce que ça, c'est pas facile d'aménager un canard les frères. Donc, parc aquatique. Hop, là, c'est son petit toboggan. Oh, bigosse, frère. Donc là, c'est le tout premier que j'ai fait, donc un toboggan, en fait, avec 4 descentes alignées pour faire des courses, tout ça. Et donc, en fait, la particularité, c'est que sur chaque toboggan, en fait, il y a un poisson en pixel art dessus. Et en fait, c'est ce qui permet de faire le nom du toboggan, puisque chaque toboggan a un nom. Donc là, par exemple, celui-là, il s'appelle les chutes du discus. Donc le discus, c'est le poisson. Un poisson. Ah, tu t'y connais bien en poisson, alors, ça veut dire? Assez cher, voilà, en poisson. Moi j'aime bien tout ce qui est la mer, les poissons, les animaux marins. Ouais, c'est ça. C'est un univers qui me fascine pas mal, donc les poissons j'aime bien. En plus t'as raison, un discus ça vaut cher, ça vaut facile du 70 balles. Un discus, ouais, c'est facile 50-60 euros et c'est un poisson qui est assez difficile entre guillemets entretenir puisque faut que l'eau elle soit vraiment bien tempérée. Vous avez vu les frères, on part sur un parc d'aquation, maintenant on vous apprend comment entretenir des discus. T'as tué mon frère. Ah ouais, toboggan, les chutes du discus, hauteur 34 mètres. Ah, t'as géré d'avoir mis genre les hauteurs et tout. Ah ouais, vous avez vu les frères? Je suis en créatif, hein, parce que sinon on pourrait pas voir tout ça avec un beau relief, les frères. Ah ouais, voilà, là je suis dans les chutes du discus. Vous avez vu, tu rentres, tu fais ton truc. S'il fallait faire un choix entre les jeux aquatiques en manège et les jeux normales en... Tu vois, en manège à sensation, tu préfères lesquels? Aquatique ou non? Ou terrestre? Un vrai parc d'attraction, puisque je préfère les montagnes russes que les toboggans. D'ac. Moi je suis plus aquatique à la rigueur parce que je suis une petite tarlouse moi avec les manèges à sensation. Dans les commentaires les frérots. J'en ai presque jamais fait en vrai. Donc... Ah ouais? Ah bah c'est plus. On a pas beaucoup par chez moi. Dans les commentaires les frères, dites-moi si vous êtes plus parc aquatique ou parc à sensation. Moi perso c'est aquatique parce que les sensations je suis un petit fragile. Et mon frérot Kuruxo lui c'est les manèges. De toute façon je vous mets le lien de sa chaîne les frérots Kuruxo. Vous verrez il fait plein de vidéos de manèges de la vraie vie. Donc sa chaîne c'est Kuruxo les frères, environ 6500 abonnés. Il a aussi un Instagram, si tu veux faire ta petite pub frérot, ton Instagram il s'appelle comment? Bah c'est Kuruxo, KURUXO-YTB. Voilà la famille, si vous voulez jouer avec lui, faire voir vos parcs à lui, parler poissons, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Moi, si vous voulez faire des visites et vous voulez me parler en privé, mon Instagram, il va s'afficher quelque part à l'écran, c'est GTABRUTI-MPG les frères.
Ah ouais, là c'est un grand toboggan celui-là. Donc celui-là on va le faire en bateau parce que c'est le plus impressionnant. Donc celui-là il s'appelle alors je crois que c'est le tortube, enfin, un jeu de mots entre tortue et tube. Ah t'as géré. Et donc la tortue est tout en haut, voilà. Comme j'ai dit, à chaque fois et sur le toboggan il y a le pixel art quelque part. Vas-y. Là, donc un rapport avec le toboggan. Ah il a géré les frères. Donc les bateaux ils sont où déjà? Ah ils sont avec les rails. Ouais. Et on a fait sa petite tortue au-dessus du toboggan, bien ouais. T'as géré. Exactement. Tiens, serre-toi, je t'ai mis un bateau là. Ah si si, on va le faire les frérots, vous avez vu comment il Et est on grand? descend. Oh il est beau. Par contre, il y a un endroit où faut que tu fasses attention, pas aller trop vite, parce qu'à un moment, en fait, il y a comme une chute, une cascade, et en fait, si Merde, tu j'ai arrives trop pas. vite, bah tu retombes pas au bon endroit. J'ai pas réussi à monter dans le bateau parce que j'ai. Ah c'est bon, je pense que j'y suis. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer en créatif. Ah bah voilà les frères, Ouais, on va est dans le. suivre. On est dans le tortube. J'ai un peu en galère, parce que j'ai pas l'habitude de faire du bateau. Ah, par contre, il fait assez sombre. On se croirait dans le cul d'une vache là, en fait. Moi je suis en galère frère. Je suis en train de taper les murs depuis tout à l'heure. Alors là, faut vraiment pas aller vite. Une fois que t'arrives sur la partie bleu-orange là, tu te laisses aller, genre. Parce que si t'arrives trop vite, genre, tu vas aller trop loin et tu vas pas retomber dans le bon trou, en fait. Oh C'est mes bon. gosses! Ouais, Ah il est terrible c'est le bon. tortube mon frère. T'as vu ça? Ouais j'aime bien moi c'est des barres ça. Voilà les frérots, on fait du Alors tortube ça, au c'est le calme. genre de truc tu mets genre 3-4 heures à faire, mais 30 secondes à descendre, tu vois le délire? Ouais, c'est tout le temps comme ça. Comment je fais pour. Putain, mais je suis en train de taper partout. J'ai vraiment pas l'habitude en créatif, poto. Je suis vraiment désolé. Et y a pas de soucis. Je te dois une porte et un bout de bois. Allez Ah non, mais je suis hop. pas du tout, pas du tout. Bah, bien, Du wesh. coup là, on a la douche de la baleine. Donc c'est les baleines là quand elles crachent de l'eau au-dessus là. Ah, ouais, bien vu. Eh, hey, mais c'est bien Bah en fait pensé, ça fait t'as. Ça, c'est bien la pensé. douche. À côté une petite piscine en forme de poisson, rien de bien fifou, mais toujours stylé à faire. Là on a une piscine Ah ouais. pour les enfants, donc c'est la piscine du poisson clown. N'oubliez pas les frérots, moi, ma vidéo elle est courte sur 9 ou 11 minutes. C'est parce que j'ai pas trop faire des vidéos trop longues, c'est parce que sinon personne ne veut trop regarder. Mais chez Curuxo, je vous mettrai les trois liens pour voir la partie en entier avec tous les détails et tous les frères. Et n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like et pourquoi pas mettre un petit hashtag Brutish chez lui dans sa dernière vidéo, ce serait super cool. Là, on a le circuit du dauphin, donc un circuit parti Oh! avec un bateau, tout simplement. Il faut que je fasse un petit parc, tu vois, moi, tu m'as motivé là. Je n'en ai pas dans ma survie. Ouais, là, j'ai arrêté, frère. Moi, pour l'instant, mon préféré, c'est le tortube. Il était beau, sérieusement. Enfin, Et pas c'est il celui qui était m'a pris le beau. plus longtemps à faire. Il est beau. Alors, t'es où là, du coup? T'es toujours dans le dauphin là? Je suis là, frère. Ok. Donc là on a un petit toboggan jaune juste à côté, donc ça je crois que ça s'appelle le scalaire jaune. Ouais c'est ça. Faut savoir que les Et là. toboggans faut en faire pour tous les âges les frères, donc il faut en faire des un petit peu Voilà, durs et c'est d'un. vraiment ce que j'ai voulu faire. Des grands pour les sensations, des plus petits pour les plus jeunes en fait. Et donc là c'est un spectacle, donc c'est le spectacle de l'espadon. Donc en fait on monte sur l'échelle et on saute dans la petite piscine qui est là. Et en fait l'espadon, il faut savoir qu'il est derrière les gradins là. Il y en a un Attends, juste t'es où? là. T'es l'échelle rouge là? Je suis en bas, non non je suis tout en bas là, à côté de Ah la baleine. désolé. Côté de la baleine, j'arrive. Et en fait l'espadon il est derrière les escaliers, enfin les sièges pour regarder le spectacle juste là. Fais-moi voir, Ah c'est ça l'espadon, d'accord. Ah ouais, bien Voilà. vu. Donc derrière il y a un spectacle. Ah c'est pour ça, ouais, tout à l'heure quand je suis passé, ça faisait un espèce de gradin. Ah Voilà, exactement. ouais, avec l'échelle Et donc là-haut et le si mec tu qui fait. passes ici, là il y a les toilettes, donc toujours avec bleu et rouge, comme tout à l'heure avec les vestiaires. Regarde, je vais te Et faire un donc là c'est numéro. un Tu me regardes? aquarium. Ouais, Bonsoir saute. mesdames et messieurs, bienvenue au superbe spectacle Espadon. Aujourd'hui, Jet Abruti va nous exécuter un superbe salto arrière triple axel. Ouf. Oh là là! Ah ouais, la folle! Il est en train de me Oui. regarder. Comme papa dans maman. Exactement, frère. Donc ça, c'est quoi ça? Donc là on est dans Oh! un aquarium que j'ai rajouté plus tard Oh, qu'est-ce que c'est joli! avec pas mal de poissons bah, dans les aquariums en fait. Poissons Donc ça c'est tropicaux. grand. Et comme on a eu une mise à jour il y a
peu plus d'un an avec pas mal de nouveaux poissons, ça m'a donné envie de faire carrément un aquarium. Ouais. Quoi. Maintenant, ouais, t'as plein d'autres poissons. Oh là là. Eh, t'as géré. C'est des tortues, ça. Voilà, ça c'est les tortues mères. Ils sont chelous, ils ont des palmes et un tuba, t'as vu? Un tuba avec des palmes, voilà. Ça, c'est pas de texture, ça. Trop chelou, c'est une tortue ninja, frère. Eh, mais ça fait très beau ton petit aquarium, c'est bien pensé. Oh, les petits poissons rouges. Saumon, morue. Voilà. Spectacle de dauphin. Et ça, c'est les dauphins, donc... Eh, je vais en faire des un petit aquarium. Mais là, ils sont plutôt calmes. J'ai mis des ours blancs devant, je sais pas pourquoi, mais ils sont là. Ah ouais. Bah ouais, de toute façon, c'est... Ah, c'est bien joué. Et ça fait... C'est bien, c'est vraiment... Sérieux, c'est bien. Vous aimez bien les petits poissons, les frérots? Marquez-moi, c'est quoi votre préféré de... Si vous préférez les poissons, les animaux tout court. Moi, je... les animaux, j'aime bien, mais après, les poissons, ça me dérange pas. De toute façon, dans la vie, vous avez vu, j'ai mon piranha, donc... J'aime bien les poissons. Donc là... On a le plus gros rouge, donc qui s'appelle la descente du requin rouge. Donc ça, c'est le plus haut du parc. Ah ouais. Il est assez énorme. Tu montes par là. La descente du requin rouge, les frères. La descente est assez longue aussi, d'ailleurs. Ah ouais, tu prends là et bam, tu fais tout. Je peux pas tous les faire, les frères, parce que sinon, ça va être trop long. Mais comme je vous ai dit, hein, Kuruxo qui a fait toutes les vidéos sur sa chaîne... Y a pas de souci. Oh là là, ça a rien beau gros. Donc maintenant on va redescendre à côté. Juste à côté du jaune là, on a bah, une boutique de souvenirs. Donc c'est la boutique de la pieuvre, je crois. C'est donc, vraiment c'est... bien pensé ton petit pixel art au-dessus de chaque truc parce que c'est souvent ce qu'ils font dans les parcs. Hein. C'est pas c'est ouais, pas oui. con. C'est un peu comme si c'était la mascotte en fait du toboggan finalement. Ouais ouais non mais t'as géré frère parce qu'ils te font souvent ça. C'est bien pensé, c'est des petits détails comme ça qui fait que ça se rapproche de la vraie vie. Hein. Ici on a le toboggan donc l'abyssal en référence au poisson des abysses là. Il est où? C'est lequel? Bah juste là là en fait. Bah c'est celui que t'as devant toi là, mais le rouge là, en bas, là. Ouais le. Non non le bleu et jaune là. Celui-là que t'as là là. Juste devant. Ah ouais, c'est un abyssal celui-là. Donc ça c'est un toboggan qui a la particularité en fait, donc tu montes en wagon et tu descends en bateau en fait, c'est ça la particularité. Il n'y a pas deux toboggans les mêmes, tu vois, chaque toboggan a sa petite particularité. Et donc le poisson lanterne est juste là. Ah je crois que c'est un crabe celui-là derrière le violet là. Alors ça oui, ça c'est le kamikaze du crabe, donc le kamikaze c'est un toboggan en fait qui descend à la verticale. Putain, ah, c'est trop beau, c'est bien vu, j'aime bien. T'as grave ensuite, géré. T'as le bleu à côté là, donc ça c'est les cascades du chirurgien. Donc chirurgien c'est comme Dory. Ah oui oui oui, il existe vraiment ce poisson là en plus. Et oui, c'est... Pour manger les petites algues et tout dans les vrais aquariums. Voilà, donc là, c'est un et t'as vu, ils disent que c'est un des poissons les plus intelligents parce que pour le récupérer dans les aquariums et les mettre dans les autres, ils mettent à peine un seau et ils rentrent tout de suite dans le seau. Je sais pas si tu savais ça. Ouais. Et donc là le toboggan noir et blanc c'est les nuances de l'orque. Donc en fait ça c'est un toboggan, il y a deux départs mais une seule arrivée. T'as un départ juste là et t'as l'autre départ sur le toit de l'hôtel qu'on va aller voir juste après du coup. Ah ouais. Il y a deux points de départ et un point d'arrivée. Donc à un moment il y a pas ah et l'hôtel, c'est l'hôtel de l'hippocampe. Exactement. Donc, oh là 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 là. C'est vraiment l'hôtel bien pensé. De l'hippocampe, voilà. Ah ouais parce que t'as la piscine au-dessus. Voilà. Donc, hop, j'arrive en bas. Merde. L'hôtel de l'hippocampe. Donc ça c'est un hôtel avec rez-de-chaussée et deux étages et tu vas comprendre pourquoi juste après. Donc là c'est l'accueil, il y a un bar et une crêperie je crois. Ouais c'est ça. Ouais, brasserie et tout. L'aquarium juste là. Donc au rez-de-chaussée on a des chambres bas de gamme. Non, là, rez-de-chaussée ça veut dire... Ouais c'est ça, rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée on a les douches et les toilettes. Bien joué. Et donc par exemple là t'as une chambre typique bas de gamme, donc il y a juste un lit et une étagère. Bas de gamme, il n'y a vraiment rien de plus. C'est vraiment les moins chers de l'hôtel. Et si tu montes dans les étages, tu montes en gamme en fait. Ah, j'ai hâte de voir ça, tiens. Là, tu vas monter, on se retrouve au premier étage. Là, tu vas prendre la chambre. Alors, il n'y a pas de chambre 13. Comme dans les avions, il n'y a pas le siège numéro 13. Voilà, du coup, j'ai pas mis la chambre 13. Ouais, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait pas de numéro 13. Dans les avions, il n'y a jamais de siège numéro 13.
Ah ouais, là c'est un petit peu plus haut de gamme. Voilà, là c'est moyenne gamme, donc là on a la cafetière en plus et la télé. Ils ont droit à leur douche en plus. Et les toilettes. Voilà. Donc dans les moyennes gammes, il y a toilettes intégrées. Des lampes sur les lampes de chevet là et la cafetière. Et la télé. Ah merde, il n'y a plus. Ah si, l'escalier là. Et donc l'escalier, voilà, il est. Non, l'escalier, je sais pas où t'es là. Je suis là, toi. Il est là, voilà. Et donc là, on a carrément mais les chambres du seigneur. Là, c'est les chambres haut de gamme, donc là, il y a vraiment tout, hein, écran plat. Vraiment. Hein. Ah ouais, ah ouais, la petite table, tout, petite cuisine. Cuisine intégrée, douche, toilette ensemble. On voit vraiment la différence en fait entre les trois types de chambres. Ah c'est bien vu ça, c'est vrai qu'on voit direct. Mais vraiment qu'on voit bien la différence. Et à l'étage, et donc, la piscine. Sur cet étage là, il y a deux autres petites choses, je crois. Ici, le cinéma du seigneur. Un petit cinéma dans l'hôtel. Ça c'est quand exactement. Quand il fait de la pluie ou il fait pas beau ça, ou le soir. Voilà. Et donc pour l'accès piscine, c'est de ce côté là. Ah bien vu l'accès piscine. Donc ça c'est donc, le vestiaire. C'est pareil garçon fille. Et donc là on arrive directement donc sur le toit de l'hôtel avec l'énorme piscine que j'ai faite. Sur l'hôtel de l'Hippocampe. Exactement. Ah ouais, puis là t'as ton entrée du petit toboggan aussi. Voilà, j'ai rajouté un petit toboggan sur le toit aussi pour les gosses. Et puis, quand tu veux partir dans l'autre, tu vas dans celui-là. Bam. Voilà, celui-là il t'amène donc en bas. Ouais. Juste ce qui fait chier, c'est que tu ratterris en dehors de l'hôtel et il faut que tu remontes tout l'hôtel avec c'est le maillot de bain mouillé et tout quoi. Non, c'est un très beau parc sérieusement. Il y en a qui diront ouais un petit peu petit ou ouais, pas trop rempli, mais les mecs c'est un petit début, il faut savoir qu'il est tout seul. Et c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est déjà même grandiose, sérieusement, moi qui n'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça, c'est vraiment très beau. Ma petite préférence, c'est l'orque. J'aime bien le petit truc de l'orque, c'est vraiment bien cherché. Le double entrée pour une sortie. Le turtle là, oh j'adore. Et le petit aquarium à l'intérieur là où t'as mis les poissons. Ah ça c'est bien vu frère, sérieusement c'est très bien vu. Et tes mascottes aussi à chaque manège et là. Regarde la nuit, tout s'allume. Oh et ouais, bien ouais. C'est plutôt joli aussi je trouve la nuit, j'aime bien. Non non c'est bien, c'est bien. Sur ce la famille, comme d'habitude, je remercie mon petit Curuxo, c'est vraiment sympa pour tes petites visites. Dans la description, vous aurez le lien de sa chaîne, son petit Instagram, s'il veut le redire vocalement comme ça, c'est sûr que tout le monde entende. Curuxo-YTB. Voilà la famille. Et je vous mettrai ces trois petits liens des visites en entière les frères, comme ça vous pourrez aller voir vite fait. Si vous bien vous abonner, mettre un petit like chez lui et mettre un petit commentaire brutti dans sa dernière vidéo, il n'y a pas de problème. Moi si vous voulez que je visite vos trucs, vous m'envoyez soit un message PlayStation ou soit sur mon Instagram, c'est gtabrutti-mpg la famille. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous êtes plus jeu aquatique ou manège à sensation et de me dire c'est quel votre manège préféré. Moi mon manège préféré c'est la pêche au canard et le coup de poing. Comme ça, c'est réglé. Allez, sur ce, merci à toi mon petit Curuxo, t'es gentil. Tchuss tchuss la famille.